Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens encore pour des tests de rouge à lèvres. Après ma razzia du mois d'août, j'ai pas mal de vidéos à vous faire. Aujourd'hui je viens tester les 6 encres à lèvres comme ceci que j'ai achetées sur Amazon. Ça ne représente aucune marque en tout cas connue à ma connaissance. C'est Popfill, voilà. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Il n'y a pas vraiment de ressemblance avec quelque chose qui est connu en tout cas sur YouTube. Donc c'est des matte lip cream. Voilà, j'en ai 6, j'ai plusieurs couleurs, donc j'en ai un voilà, nude marronné on va dire, j'en ai un petit peu nude rosé, je vais essayer de le faire dans ce sens là, ensuite j'en ai un orange, est-ce qu'il s'appelle, je vous montrerai du coup les noms, voilà, ensuite je vais tester le rose fuchsia, ensuite le violet. Et pour terminer, je vous ferai la conclusion avec le bleu. Donc c'est parti pour les petits tests en live et en musique. A tout de suite! Alors voilà, je les ai tous testés, en même temps c'était assez rapide, il n'y en avait pas énormément. Alors franchement, je suis super étonnée sur plusieurs choses. La pigmentation, voilà, c'est extrêmement bien pigmenté, il n'y a pas forcément besoin voilà, d'attendre que ça sèche et de remettre une couche. C'est très agréable à appliquer, c'est vraiment comme de la crème, un peu quelque chose d'assez huileux qu'on met sur les lèvres.
ça sèche, mais ça colle pas. Alors là, voilà, ça colle pas du tout. Franchement, je suis super étonnée. Ça sèche assez rapidement, donc il n'y a pas besoin non plus d'attendre 15 000 ans. Ça s'enlève assez facilement. J'ai enlevé moi avec une lingette des make-up. Et puis, on va tester. Ouais, aucun transfert, rien du tout. Et là, c'est très agréable. J'ai l'impression d'avoir vraiment de la poudre. Pareil, comme j'avais déjà fait une revue là-dessus, sur les autres que j'avais achetées sur Amazon. Et ben, je trouve ça, voilà, comme si j'avais un fard à paupières ou un fard à joues sur les lèvres. C'est super agréable. J'ai l'impression d'avoir rien sur les lèvres. Je suis vraiment très, très étonnée. Alors, maintenant, je vais vous faire au cas par cas. Celui-ci, le tout premier que j'ai testé, il est tellement nude. Il est tellement de la couleur de mes lèvres qu'en fait, pour moi, il sert à rien. Voilà, puisque si je veux des lèvres nude, je mets rien. Voilà, si je veux des lèvres nude mat, je mets rien. Si je veux des lèvres nude un peu satinées, je mets un baume hydratant. Voilà, donc celui-ci, je ne sais pas si je vais le garder, puisqu'effectivement, il ne me sert pas à grand-chose. Ensuite, là, il y a un nude rosé, celui-ci, on va dire, qui rehausse un petit peu la couleur de mes lèvres. Ça peut être, c'est les nudes que j'aime porter. Voilà, pour moi, des nudes, il ne faut pas que ce soit de la couleur de mes lèvres, mais au moins un petit peu la nuance au-dessus. Donc voilà, pourquoi pas, celui-ci je vais le garder et on verra si je finis par le mettre ou pas. Le orangé, comme vous avez pu le voir, la couleur est vraiment pop, elle est vachement bien quand elle est sèche, mais elle est assez difficile à appliquer. Moi j'ai trouvé que du coup ça faisait pas une couche assez homogène, donc il a fallu que je repasse un coup dessus et après que je la retravaille un peu et surtout que je l'applique en souriant pour bien tendre et que je fasse sécher en souriant parce que en fait à un moment donné j'ai relâché quand j'ai appliqué etc. Et le fait que ça ait séché sans que je souris, bah, à partir du moment où j'ai souri, ça a tout craquelé en fait. Donc la meilleure technique je pense pour appliquer les rouges à lèvres liquides, c'est de les appliquer en souriant. Et d'attendre que ça sèche en souriant, comme ça au moins bah, y a déjà la matière qui est déjà tirée. Parce que si vous appliquez comme ça et qu'après quand c'est sec vous tirez, ben ça craque. Voilà. Donc celui-ci, voilà, un petit peu, il faut que je fasse attention, il faut que j'apprenne à le travailler et à voilà, à l'utiliser sans que ça craque. Et surtout, voilà, essayer de doser le produit pour pas que ça fasse des zones pas très homogènes, un coup clair, un coup foncé, un coup épais, un coup fin. Donc voilà, celui-ci à retravailler. Ensuite, celui-ci, la couleur est super pop. Voilà, c'est un rose néon même. J'avais dit un rose fuchsia, mais c'est vraiment un rose néon. J'ai trouvé assez sympathique, assez chouette. Donc rien de spécial à dire, si ce n'est que je l'aime bien. Mon grand préféré, le violet. J'ai trouvé que la pigmentation était vraiment top. Que l'application était assez voilà, facile. Même si du coup, c'est vrai que je l'ai fait assez vite fait à l'arrache. Et que c'est pas forcément droit ni machin. Mais du coup, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est top, génial. Parce que je suis assez, voilà, assez violet, assez prune, etc. Donc forcément, celui-là va rentrer dans mes chouchous. Et alors, celui-ci, c'est le petit dernier. C'est celui que j'ai gardé sur les lèvres. Voilà, c'est des couleurs un peu inattendues. Des couleurs qu'on ne met pas forcément tous les jours. Et ben voilà, je trouve que je vais m'éclater quand même. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont me dire au boulot? Ils vont peut-être me dire qu'effectivement, tant que je suis dans le bureau, ça va. Mais que quand je suis à l'accueil avec les habitants de la ville... Il vaut mieux pas que je le mette, mais voilà, dans mon petit look gothique automne-hiver, je pense que ça va bien le faire. Voilà, je trouve ça chouette, je trouve pas ça ni morbide, ni vulgaire, ni voilà. Maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs hein, d'avoir un rouge à lèvres bleu. Celui-ci, franchement, je suis super contente parce qu'effectivement, c'est une couleur insolite, mais en même temps, il est très agréable à appliquer et très agréable à porter. Apparemment, voilà, il a pas l'air de s'effriter. Il bave pas, il fait pas trop... Voilà, c'est forcément, si je suis comme ça, on verra la démarcation. Mais là, quand je vous parle, je suis pas choquée par le rose de l'intérieur de mes lèvres. Donc, voilà. Donc, franchement, je suis super contente. Il me semblait que ça doit être moins de 2 euros, c'est sûr, le rouge à lèvres. Je sais pas si je peux vous mettre le lien du vendeur. Voilà, ça se vendait à l'unité, ça se vendait pas par lot. Donc moi j'ai pris quelques couleurs comme ça pour essayer, hein. J'ai voulu retenter voilà, du nude, voilà, je persiste à vouloir tenter du nude alors qu'au final je suis convaincue que ça ne me va pas et que ça ne me plaît pas en tout cas. Mais voilà, j'ai testé après un petit échantillon de couleurs assez sympathique. Je vais continuer dans ma lancée, je pense que je vais m'arrêter dans les achats, je ne vais pas dire que je vais retourner chez ce vendeur et puis acheter tout le reste de sa collection, puisque j'en ai quand même acheté pas mal et je pense que je peux largement faire avec ce que j'ai. J'espère en tout cas que cette vidéo test en live vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye !